Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie Sissi offerte en format Blu-ray. Réalisée par Ernest Marischka, le film met en vedette Romy Schneider, Karl-Heinz Böhm et Magda Steiner. Distribué par DEP Distribution, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 24 janvier 2017. La trilogie Sissi relate les jeunes années de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, que l'on appelait Sissi, et de son mari, l'empereur François-Joseph. L'histoire de leur amour, mais surtout l'histoire de cette femme qui a toujours su, par son charisme, son charme et son intelligence, faire vibrer les foules et rallier les cœurs. La trilogie Sissi est plus qu'un film culte, c'est un véritable phénomène culturel. Réalisé par l'Autrichien Ernest Marischka entre 1955 et 1957, les trois épisodes mettent en scène une biographie très romancée de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, surnommée Sissi, personnage historique interprété par Romy Schneider. Malgré les années, on pourrait dire que cette fameuse trilogie composée de Sissi, Sissi impératrice et Sissi face à son destin demeure toujours intemporelle. En trois épisodes, Ernest Marischka nous présente une biographie de Sissi, toutefois très romancée. En effet, plusieurs pans de la véritable histoire de l'impératrice ont été occultés ou transformés. Ces modifications n'altèrent cependant rien à la qualité du scénario. Bien au contraire, Ernst Marischka choisit de nous présenter un bel hommage à l'impératrice plutôt qu'une véritable biographie. La preuve, la trilogie s'achève sur une scène heureuse et non sur l'assassinat tragique de Sissi. Le réalisateur de la trilogie réalise ici un coup de maître en choisissant nul autre que Romy Schneider à ses débuts pour interpréter le rôle principal, ce qu'elle fait avec beaucoup de classe et de talent. Mieux encore, elle offre à son personnage un caractère tenace, joyeux et optimiste, ainsi qu'un visage rayonnant qui marquera à jamais les esprits. Grâce à cette actrice, Sissi devient un personnage incroyablement attachant, et l'actrice, quant à elle, atteint les sommets. Cette trilogie s'attarde donc sur les moments heureux d'Élisabeth d'Autriche, et dans chaque épisode, le réalisateur essaie de nous vendre du rêve. Le couple royal, composé de Franz et de Sissi, semble parfait. Ils sont beaux, jeunes, riches et amoureux. Les décors et les paysages sont somptueux et la nature omniprésente. Les acteurs, et surtout Romy Schneider, portent des costumes magnifiques, le tout bercé par cette très touchante, mais surtout très belle histoire de princesse. Si l'on se fait à plusieurs critiques, les précédentes éditions en DVD et en Blu-ray de la trilogie Sissi n'étaient pas très fameuses. Ce coup-ci, DEP Productions nous offre une édition haute définition assez satisfaisante, bien qu'elle ne soit pas tout à fait à la hauteur des standards d'aujourd'hui en ce qui a trait à la restauration d'œuvres cinématographiques d'antan. Cette version souffre d'un non-respect du ratio d'image carré d'origine d'1.37. On nous présente ici plutôt une version zoomée, qui simule un format panoramique afin de remplir complètement votre écran de télé. Vous perdez donc au final de l'image, et l'on remarque aussi un manque de définition du point de vue de certains éléments, dont les détails d'acteurs qui se trouvent en arrière-plan, alors que ceux en premier plan ont souvent un peu l'air de statues de cire dû à un léger abus de réduction de bruit numérique. De plus, l'image souffre également de certains problèmes de compression d'image et de pixelisation. Mais de manière générale, les couleurs sont suffisamment profondes et riches et sauront satisfaire les fans moins sévères en ce qui a trait à l'image. Dommage quand même qu'une œuvre cinématographique d'une aussi grande notoriété ne bénéficie pas de meilleurs traitements. Du côté technique, une piste en français Dolby 5.1 est offerte sans sous-titres. Une version originale allemande avec sous-titres en français aurait cependant été fort appréciée. L'image est présentée en format panoramique non respecté 1.85. Pour les suppléments, seul le documentaire de tournage en langue allemande, Sissi, le making-of, est disponible avec sous-titres en français. La trilogie Sissi est difficile à manquer et surtout à oublier. Ernst Marischka nous offre trois épisodes sans prétention qui jouent la carte de la finesse et de la classe. Le réalisateur choisit de nous montrer une belle romance plutôt qu'un film biographique sous tous les angles, mené d'une main de maître par une Romy Schneider dans le rôle de sa vie et peu de temps avant son immense succès en France. La trilogie Sissi, malgré ses quelques problèmes techniques, est un incontournable qui mérite d'être apprécié par tous. C'était Justin, merci et bon visionnement.